Bonsoir à tous et bienvenue sur Man of Medan pour la suite de l'aventure narrative et horrifique. Souvenez-vous, dernier épisode, trois hommes en cap débarquaient sur le bateau. Que va-t-il se passer? Que va-t-il nous arriver? Réponse dans quelques instants. Oh non, pas le gros plan sur la poignée, s'il vous plaît. Ça me hante. La revanche des Sith. Qu'est-ce que c'est? Oh merde, Conrad. QTE. Tiens, prends ça. Tu me calmes. Ah ok, ils ont déjà baïonné tout le monde. C'est pas les mecs qu'il y avait sur le bateau? Qu'on a pris pour des pêcheurs? Je crois bien, hein. On est dans la mouise. Ah oui, c'était lui. Effectivement, je l'avais dit, il est pas commode celui-ci. Que va-t-il se passer? Retirer baillon, d'accord. Ouais. Allez. Super. Allez, on se libère. Impeccable. Parler, retirer baillon. Allez, on va tout retirer. Julia, ça va? Ouais, je crois. Presque. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux, là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé hey. Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? J'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde. Alors, examinez. Ouais. On va commencer par réfléchir un petit peu. Est-ce que j'aurais dû retirer les baillons, du coup? Parce que ça se trouve... Ils ont remarqué qu'on les avait plus, forcément. Tu vas le regretter, espèce d'enfoiré. Tu vas pourrir en prison. Toujours du caractère, Fliss. Oh là, calme-toi. Oh, l'esquive magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Oh merde, autour de Conrad. Personne ne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Ah, il te provoque en plus. T'es pas fin, toi. Ah.
Ouïouïouï. Alors, tu sais y faire avec les femmes? Vous voulez quoi? On va se marrer. Ah ouais, tu sais t'y prendre avec les femmes. Le mec qui cherche, tu sais, putain. Qu'est-ce qu'on se marre? Oh non. Ça fait moins plaisir. Tout doux. Relax. Alors, va chier, arrête. Ne rien dire. Pour une fois. On s'occupera de lui plus tard. Je me suis fait tout petit, et je pense que finalement c'était la bonne solution. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Ne rien dire, pareil. Restons calmes. Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad. Oh, je me suis pris quelques bagnes, hein, ça va. Chacun son tour. Ne touche pas! Sale enfoiré! Hé! Hey. Crétin! Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Non. Non, désolé. J'espère que ça va. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Ils t'ont rien fait? Je vais bien. Ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Oh, Julia, c'est bon. C'est rien. Oh, les enfoirés. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Effectivement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 secondes. L'orage est à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors bord. Mais leur chef, il a un flingue. Ben, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Chercher de l'aide. Je peux aller au bateau. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Que 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. C'est pas con, ça. 1, 2, 3, 4... Attention.
Allez. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah j'ai appuyé. Faites quoi, merde? Mais non! Fallait le faire Qu'est-ce qu'elle est con! Allez, va en bateau! Ah, ils ont dû entendre, du coup. Pourtant, j'ai appuyé, hein, pour info, hein. J'ai l'impression que ça allait jouer. Ok, reste cool, reste cool, reste calme. Ah, mais il va voir qu'il en manque un. Va te faire foutre. Oh, c'est parti! On s'échappe. Est-ce que j'ai fait bon choix? Je ne sais pas. J'en ai assez. Descendez de mon bateau tout de suite. Foutez-moi le camp d'ici. Oh merde. Je le sens mal. Oh, oh. Équilibre. Ah, c'est tendu, hein, la situation. Vous êtes quand même assez rapide, hein, sur les QTE. Oh merde, il a un flingue! On commence à être loin par contre, hein. Merde! L'esquive! Ah, laisse tomber! On le rattrapera jamais avec cette vieillerie! Eh ben voilà, il a réussi à s'enfuir! Vas-y, fous-les en bas! Prends ça! Et hésite surtout pas à tirer! Il y en a au moins un qui va s'en sortir! Pour l'instant. Assis. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons! C'est bon, bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Oh, attention, j'ai peur. Olson, viens voir. Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? Des pirates. En tout cas, pour l'instant, le jeu, il fait pas très peur, en fait. Rien à voir avec le titan. Conrad va s'en tirer. Hé, hey, oh! Fermez vos gueules! On discutait juste. Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine, et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'or de Mandchourie. Ils sont de mèche, c'est sûr. Oh là. Comment oses-tu? Mais t'es complètement givré. Comment tu peux sortir toutes ces conneries? Comment tu peux dire ça, espèce de sale con plein de fric? Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège. Et tu nous l'as tendu! Hé, hey, couillon! Ferme un peu ta gueule. Oh, attention, ça se coupe! Oh, bouge pas! Assis! Toi, ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Tente un truc. Quoi que ce soit, débile. Je te jure que tu le regretteras. Compris? Jukov Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. Attention. Comment est l'orage? J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage.
L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. J'aimerais savoir si elle est de mèche ou pas. Apaisement. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. J'ai pas osé. Ah, il faut dire qu'il a pas une tête sympathique, lui, oh. Qu'elle est de mèche, hein. Parce que là elle a eu peur. Je vais l'aider. Oh. Hey, allez vite. C'est sympa, merci. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Je sais pas où il est. C'est vrai qu'on l'a pas vu, Brad. Il peut aider. Ok, on garde ça pour nous, ça pourrait nous être utile. Brad reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top, il pourrait mourir en bas. C'est plus un gamin, ça va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Quelque chose. Pas ce navire. Oh merde. Un petit retard de texture. Est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. On dirait bien que vous avez sauvé quelqu'un. Un choix audacieux qui a payé, pour cette fois. Mais cela ne rend-il pas le reste du groupe plus vulnérable? Nous le saurons bien assez tôt. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Oui. Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le Marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or. Vous l'avez souvent ouï dire. » Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Il vient de nous... La porte! La porte! Vite, la porte! Hmm.
tire la tête à l'image. Ce bruit dégueulasse, sérieux? Et nous sommes à bord du terrible navire. Mais on est où là? Nom de Dieu! T'es en enfer, mon pote. Ah d'accord, j'avance. Il est énorme ce navire. Il est énorme et hanté. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Hey ! Il est pas bien celui-là. Comme si on était dans un piège à rats qui prend l'eau. C'est à peu près ça. Avec des entités terrifiantes. Oh, il fait noir. Merde. En fait, le jeu, il joue que sur ça, en fait. C'est dingue. Attends, c'est par là qu'il faut aller ? Recule ! D'accord. On avance ! Par là. Putain, c'est tellement cloisonné. C'est horrible. Mais par où ? Ah, d'accord. Je voyais même pas où il fallait aller. Je sens que je vais flipper. Je vais m'écarter un petit peu du micro, hein, je pense. En tout cas, il y a certains angles de caméra qui sont stylés, je trouve. Pourquoi on se tire pas d'ici ? Je préfère pas être n'importe où d'ici. J'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir là. Miller. Mmh. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous maintenant ? Bah, c'est ça le truc. J'aime pas m'écarter autant. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'était quoi ? Y a un truc à observer par là, non ? Non, même pas ? Ok. Je ne sais pas du tout où je dois aller. Je suis déjà perdu. C'était quoi, ça ? Y a un truc qui est passé. C'était un rat, non ? J'en sais rien. Olson ! Y a une porte, ici ! Allez, bande de nazes. Entrez là-dedans. Fermé. Hey, on voit que dalle ici. Donnez-nous une lampe. Peut-être qu'on devrait leur donner quelque chose. Oh. Merci. La lampe. Pratique. Quoi ce putain d'endroit ? Un vieux bateau. Hors de Mandchourie. Il doit sûrement y avoir un rapport avec l'or de Mandchourie. On n'est pas loin des coordonnées.
C'est peut-être ce navire-là qui transportait l'or. C'est une possibilité. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. On retourne sur le Duke. On dégage d'ici vite fait et on ne quitte plus jamais la terre ferme. Cool comme plan, non? J'aime bien. J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau. La tête d'allumage. Ça fait tourner le moteur. Sans cette pièce, le Duke of Milan n'est plus qu'une barque. On doit la récupérer. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Fliss, je tenais à te dire que... j'ai peut-être un peu dépassé les bornes, là-bas. C'est-à-dire? J'ai peut-être, disons... tiré des conclusions un peu hâtives en pensant que... En pensant que t'avais un genre d'accord secret avec ces types, un truc comme ça. Mais... maintenant, je sais que j'avais tort. Ils sont aussi hostiles avec toi qu'avec nous. Donc... voilà. Je vais me permettre de traduire. Il te dit qu'il s'excuse. Ouais, je... On va dire que je vais accepter tes excuses. Cool. Cool. C'est marrant. Alors attends, il y a un truc à voir là-bas. Qu'est-ce donc? Mais c'est... vraiment étrange. Ouais, je trouve pas ça spécialement étrange, mais enfin bon. C'est juste une paire de lunettes. Mais encore... Est-ce qu'on peut aller un peu plus vite? J'ai pas l'impression. Par contre, ce qui est vraiment réussi dans le jeu, c'est les graphismes, hein, je trouve. Hein. Alors, c'est en mode cinéma, mais franchement, les textures sont... Bon, quand elles sont pas en retard, elles sont plutôt jolies. Allez, déplace-moi ça. Est-ce qu'on peut s'enfuir par ici? Hé, là! Là, regardez! Qu'est-ce que t'en penses? Allez! Hé! Un journal. Je me demande bien pourquoi ils l'ont abandonné. Secret trouvé. American Overseas, Gang Tuerie de 47. Les archéologues disparus en Irak. 24 archéologues britanniques ont disparu dans les monts Zagros en Irak. L'expédition Oxon était arrivée en septembre dernier avec, dans le but annoncé de mettre au jour... Ils sont abîmés. Fait chier ça. Attends, je vais voir à la porte. Je vais aller explorer la salle des machines. Danny, tu fouilles les soutes. La salle des machines, les soutes. T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison? Charmant. On sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire. Il y a quelque chose. Eh bien, ici. J'ai comme l'impression qu'il y a des conflits entre eux. C'est ton droit. Effectivement. Par contre, c'est interminable, hein, les discussions. Qu'est-ce qu'on a par ici? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il fallait remarquer là. Qu'est-ce que c'était ce bateau? Une note? Alors maintenant, pour info les amis, je suis plus limité en temps, hein, parce que c'est vrai que les deux premières vidéos faisaient 30-40 minutes maxi. Là maintenant, je peux faire des vidéos de 45 minutes, 1 heure, sans aucun souci. Salut Trésor, tu manques énormément encore 3 mois avant la prochaine permission. Et je me jette dans tes bras. 3 mois, on est allé boire quelques bières avec les gars lors de notre dernière permission à terre. Mais ne t'en fais pas, je m'assure de rester en forme pour toi. Si tu vois ce que je veux dire. Comment va le boulot? J'espère que ton patron te fiche la paix. Je sais que tu peux te débrouiller seul, mais je me sens impuissant quand je suis si loin de toi. Je voudrais te protéger. C'est cool. Je m'en fous un petit peu quand même de cette lettre, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai sûrement pas vu. On retourne à la porte, ici, enfin à la porte. T'en penses quoi?
J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. On va bien se débrouiller. On peut peut-être la forcer et dégager d'ici. Bah oui. Il est peut-être bloqué, c'est notre sortie. Ayons confiance. Ouais, c'est bien notre sortie. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur ? Ah ouais, bien sûr. Place au grand mâle musclé. Faut que quelqu'un fasse diversion. Ça va faire du bruit. Ouais, c'est pas bête. Fliss, tu nous fais l'honneur ? La question c'est, est-ce qu'il y aurait une autre sortie moins bruyante ? Je ne sais pas. Distraire. Ouais, je vais essayer de les distraire. J'espère que ça a marché. Hey, toi, espèce de demeuré. T'as le cerveau ramolli ou quoi ? Vous êtes tous tombés dans une caisse de poisson pour les... C'est ça. Tuez la mort, je vous dis. Laissez-nous sortir. Assieds-toi et ferme ta gueule. Waouh, ça fait un gros bruit encore. Ferme un peu ta grande gueule, ok ? Alors laisse-nous sortir, putain de merde ! C'est bon, tu peux la fermer. Allez, fils. Dépêche-toi. Ne pas se fier aux apparences, je pense que finalement elle est quand même mêlée au groupe. On verra. Replacer. Ça va être la poursuite. On est à l'abri maintenant. Oh non. Faut qu'on continue. Allez. On va forcément trouver des escaliers. Oh que non. On est loin d'être à l'abri. Alors attends, réactualiser. Ok, avec Brad, avec Julien, on est très bien, forcément. Avec Fliss, c'est pas encore le top, hein. Niveau entente. On avance. On peut pas accélérer. Qu'est-ce qu'on a par là ? D'accord, je peux observer les différentes salles, moi. Ok. Alors, est-ce que c'est réellement intéressant ? Je ne sais pas. Mais on va quand même faire un petit peu le tour. Oh, la vache ! C'est peut-être ça qui leur a foutu la trouille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, j'ai pu lire quelques tests sur certains sites spécialisés. Apparemment, le jeu... Oh, putain de saloperie de rat. J'ai eu un peu peur, mais je m'y attendais quand même. Et apparemment, le jeu s'est fait saquer. Hein. Il a des notes pas terribles, terribles par rapport à Until Dawn. Ça n'a rien à voir. Et il disait qu'apparemment, il y avait des petits soucis de freeze et tout dans le jeu. Alors, je suis sur PC, il n'y a vraiment quasiment aucun problème. Il y a juste eu un moment pendant une cinématique, tu sais, une musique qui a... Avec le conservateur, il me semble, qui a loupé pendant quelques minutes. Mais c'est tout. C'est vraiment trop bizarre qu'ils aient tous disparu. C'est comme s'ils s'étaient tous volatilisés en laissant tout en plan. C'est pas possible, c'est... Ouais. Attends, j'ai vu un truc à regarder par ici. Les plans du bateau. Bon, c'est pas ce qui m'aide, hein. Pas ce qu'ils mettent spécialement. Voilà. D'accord. Et effectivement, le jeu est PEGI 16. Hein. C'est pas comme Until Dawn qui est PEGI 18. C'est pour ça aussi que ça fait peut-être un peu moins peur. On continue par où ? Par là ? Attends. Je vais d'abord aller par ici. Pas par où il faut aller en premier. Ah, il est grand le bateau en même temps. Hein. Oula. C'est qui ça ? C'est un zombie ? What ? What the fuck ? On est d'accord que j'ai bien vu un zombie dans les chiottes. Merde. Tu te retournes, non ? Attends, il y avait un paplard. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'embrouille ? Alors, Aileen Reed.
ma chère Hayes. Ça y est, je rentre enfin à la maison. C'est presque fini, mon amour. Une dernière traversée du Pacifique. Et je serai de retour auprès de toi et des enfants. J'ai hâte de vous revoir. Dis à Ned et Nancy de se préparer. Parce que papa sera bientôt là avec des cadeaux pour tout le monde. Je ne suis pas fâché qu'on ait repris la mer. Il fait une de ces chaleurs à terre, pire que l'été en Oklahoma. Et pas moyen d'y échapper. Et j'ai tenu le coup grâce à tes lettres. Ils les censurent. Ce qui n'est sans doute pas plus mal. Car certains le volent, parfois pour les lire. Et je ne veux pas qu'ils lisent nos lettres. Je sais. Alors attention, je retourne en arrière. Mais là, on avait vu le zombie. Putain. Il y a quelque chose qui va nous sauter dessus. À un moment, il y a quelqu'un qui va nous sauter dessus, c'est obligé. Oh merde. On peut venir par ici ? Je sais pas, ouais, j'ai beau forcer. Les angles de caméra sont un peu relous parfois. Ils sont trop resserrés finalement. Conrad va bien, tu crois ? Il est capable de se débrouiller quand il y met du sien. C'est pas vraiment une réponse. Oh bah, ouais, je pense que Conrad va bien. Oh, génial. Tu penses, mais t'es pas sûr. Gros bateau, gros moteur. Forcément, ça va avec. C'est quoi cet endroit ? C'est la salle des machines. Bon, il y a des trucs à récupérer par ici ? Non, c'est seulement un bon vieux tas de ferraille. Le Duke a un moteur plus récent, mais on doit récupérer la tête d'allumage. Bon, on va essayer de pas trop traîner non plus, hein. Je me demande où ils sont tous passés. Ils sont peut-être tous planqués à la cale pour une fête surprise. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? C'est quoi ce truc ? Hein ? C'est une petite tête. Un crâne de je sais pas quoi. C'est quoi ce bruit ? Tu m'as envoyé, mec. Concentre-toi. Oh la vache ! Mais c'est que ça en fait dans ce jeu, c'est que des sursauts ! Alors, il y a les codes de l'horreur, mais il n'y a rien de, pour l'instant, de choquant ou de dégueu, tu vois. C'est très différent de Until Dawn, du coup. Hein. Vraiment. Un bouquin. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? D'accord, faut que je le retourne. Bah non, tu peux le lire ? Non, apparemment, je peux rien faire. Il me semble pas qu'on peut l'ouvrir. Bon, tant pis. Bon, y a peut-être un moyen d'interagir différemment avec lui, mais... Attends, mais c'est bizarre, quand même. Tu vas pas me dire qu'il y a un bouquin, mais qu'on peut rien faire avec. C'est quand même bizarre. Attends. Y a un truc que j'ai pas pigé. RT ? Ouais ? Essaye de le tourner. Bah non. Je peux rien faire du tout. J'ai pas appuyé sur tous les boutons, c'est pareil. Ouais. Ah bah tiens ! What ? Pourquoi il vient de l'ouvrir ? Je comprends pas. Ok, la capitaine a interdit l'alcool pendant tout le voyage, et quand on est sobre, on se rend vraiment compte à quel point ce Rafio est mort. Il y a bien eu un accrochage entre ces deux abrutis de Wilson et Anderson, ah oui, on se souvient. Juste après notre départ, mais Ferris les a calmés en moins de deux, et depuis c'est aussi calme que dans une église. J'ai parlé à un des gars qui a embarqué la cargaison, il m'a dit qu'il avait chargé pas mal de cercueils à bord. Ah, rien d'étonnant jusque là, mais il a dit qu'un type avait vérifié que les cercueils étaient installés, bien comme il faut, dans une des cales. De manière vraiment précise. C'est pas le genre de traitement auquel le premier troufion venu aurait droit. Du coup, je me demande ce qui a pu bien être... bien être dans ces cercueils. Vendredi 13. Oh bah non, pas vendredi 13. Pérez a dit qu'il avait fait de la gnôle avec des ingrédients qu'ils ont fauchés. On doit se retrouver plus tard dans les cales pour voir ça. Minable, cette gnôle. Pérez a dit qu'il était beurré au bout de 4 verres. Mais c'était foutaise. C'était du pipi de chat. Samedi 14. Paraît qu'un des gars a jeté un œil dans la cale où se trouvaient les cercueils. Je vais aller lui demander ce qu'il a vu. Peut-être même qu'il pourra m'y faire entrer. Tout est en place. Il dit qu'il peut me faire entrer en douce. On va y aller ce soir. Ok. Sans malade. Faut pas jouer avec ça. Ok. Bon. Du coup, il y avait rien à faire avec ce bout d'os là. C'était peut-être une tête de rat. Hein. Pas impossible. Il y a beaucoup de lectures quand même. Ah, ça doit être le bateau ça. Oh merde.
prémonition débloquée, dont je risque de prendre cher. On peut revoir la prémonition. Ah, on va peut-être se faire exploser le crâne. Ça fait peur. C'est pas vraiment encourageant. Après, est-ce qu'il est possible de ne... que personne ne meure jusqu'à la fin? Ce serait pas mal. Ok. Quoique, j'ai envie de voir des morts quand même. Sinon, c'est pas drôle. Le gars, tu sais. Bah oui. Putain, je me sens seul, hein, vraiment. Il y a un truc qui bouge là-bas. Chut, que tout le monde se taise. Je vais aller la chercher. On doit faire attention. Faut vraiment qu'on fasse gaffe. C'est peut-être notre seule et unique chance. Ok. Faites attention. Bon, quoi que je dise, elle y va quand même, donc écoute. Je peux rien y faire. C'est pas vrai. Je le sens pas. Oh merde. Oh non. Fliss. Quelqu'un arrive. Oh merde. En même temps, pourquoi je lui aurais pas dit? À part l'envoyer au casse-pipe. Oh merde. Oh ça pue. Fils, où sont passés les autres? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Je savais qu'il fallait pas qu'elle descende. Et voilà, forcément. Maintenant, tout le monde est dans la mouise. C'est pas vrai. Je me sens concerné. Qu'est-ce qu'on fait? On était censé les suivre. Faut pas qu'on s'approche trop. Par là, on devrait pouvoir les danser. Je m'occupe de ça. Cache-cache dans le navire. C'est énorme. Allez. Alors évidemment, je le rappelle, on va sûrement louper pas mal de documents, des choses à examiner, mais voilà. C'est vrai que le navire a l'air plutôt grand. Tiens, en parlant de notes, qu'est-ce qu'on a là? Mais c'est quoi cette chapelle? Oh, c'est pas vrai, j'ai pas besoin de ça maintenant. C'est juste crade. La section CC a été convertie en chapelle jusqu'à la fin du voyage. Nous demandons à tous les membres de l'équipage de garder le silence et de se montrer respectueux en passant près de cette zone. D'accord. Ah, c'est vrai que tous les papiers sont pas super intéressants, hein. Parfois, on s'en fiche un petit peu, juste pour avoir quelques petites infos supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'était quoi? C'était quoi? Quoi? J'entends rien. C'était quoi quoi? Le bruit? Je sais pas. Je déteste les longs couloirs. Bon, je vais la suivre. Je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose parfois de s'arrêter et d'examiner tous les papiers et tout. C'est quoi
cet endroit. Je pense que ça n'a aucune incidence sur le scénario. Oh là là. Une seconde. On est déjà passé par là. Alors, ça m'étonnerait. Je suis certaine qu'on est déjà passé par là. Tu nous fais tourner en rond ou quoi ? La cuisine, je m'en souviens pas en tout cas. Ah, il y a un truc là. Un couteau ? Ça va me servir à quoi ? Je ne sais pas. Eh, fais gaffe avec ça. C'est pas le bon moment pour déconner. T'inquiète. Ça peut servir. Effectivement. Va savoir, ça peut toujours servir. Je suis bien d'accord avec lui. J'ai reçu un petit succès Steam. Super. Très actualisé, agressivité, astuce, excitation, insouciance. Ouais, je pense que c'est l'agressivité que j'ai reçue là. C'est un petit peu sous-exploité, je trouve, ces traits de caractère. Je trouve que ça a pas assez de répercussions. Oui ? Soupe du jour, mademoiselle ? Comme si t'étais un pro en cuisine. Chérie, quand on vivra ensemble, je deviendrai ton chef à domicile. La blague. Alors, on enchaîne. Ok, maintenant c'est quoi cet endroit ? Je pense qu'on devrait essayer par là. C'était quoi ça? Alors j'ai rien vu, mais j'ai entendu. Le notebook. Bon, je pense qu'on va passer parce que c'est encore des notes à la con. Sans vouloir faire le gros bourrin, mais je m'en fous un petit peu. Par contre, ça, il me semble que c'est un souvenir. Les cadres, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est des prémonitions, du moins, pas des souvenirs. Alors. Oh merde. Ah, c'est Brad. Eh, j'espère que c'est pas avec le couteau que je viens de récupérer, hein. À couteau tiré. Est-ce que c'est à cause du couteau que j'ai pris ? Il y a un problème. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On n'est pas tout seul ici, t'as pas. Il y a eu un bruit, non ? Je sais que j'ai vu un truc. Ça se déplaçait dans l'ombre. Sans doute des rats. Des rats. Ça devait être des rats. C'est tout. Je t'interdis de te moquer de moi. Oh, mais ça va. J'essaye de te rassurer, c'est tout. Insouciance, altruisme, agressivité, excitation, duplicité. Ok. Je suis sûre qu'on est déjà passé par là tout à l'heure. On tourne en rond là. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire demi-tour ? On est déjà passé par là. Mais elle arrête jamais de râler, la blonde là ? Oh. Ok. Non. Ça, c'est trop glauque pour moi. Quoi ? Des cercueils dégueux dans une chapelle flippante ? C'est pas vraiment mon délire. Là, ça craint par contre. Les fantômes n'existent pas. Ça existe pas, les fantômes. Attends, quoi ? Y a des fantômes maintenant ? Bah non, justement, les fantômes. Ouais, toi et moi, on est au courant. Mais est-ce que le fantôme le sait, lui ? Elle est énorme, elle. Putain, je l'adore. Quoi, ça ? Ça, c'est la merde. Alors. Ouais, j'ai pas trop envie de l'ouvrir. Hein. C'est pratiquement détaché. C'est un humain ? Oh bordel. Non mais sérieux ? Est-ce que c'est un humain ? Enfin, est-ce que ça l'était ? C'est quoi cet endroit bizarre ? Faut partir. Vite. Allez, allez, allez ! Bah, à ton avis, banane. Ça y ressemble, hein ? Hé ! Y a le nom de ce type-là ? On se fiche d'où ils venaient et où ils allaient. Ils sont morts et pas nous. Alors, pourvu que ça dure. Allez, remue-toi un peu. Ryan Carter. S'il te plaît. US Army. Attends, on va tout regarder, ma grande. Calmos.
Regarde celui-là. On dirait un modèle pour enfant. Je préfère pas savoir. On se tire d'ici. Moi, j'aimerais bien savoir. Mais bon. Il y a des sacrés verrous sur ces cercueils. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été enchaînés? C'est pas pour rien, à mon avis. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh merde. Mais c'est un rat! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Putain de bordel. Sérieusement? T'essaies de me faire flipper? Hein? On pourrait se tirer d'ici. Ah ouais, vraiment avec plaisir là. Ça commence à être flippant. Mais ça joue que sur les sursauts, hein, mais c'est vrai que. Pff, côté horreur. C'est pas dégueulasse quoi, c'est pas un jeu dégueulasse. Clairement. On peut se dépêcher, j'ai eu ma dose de tourisme. Bien reçu. Je m'attendais à quelque chose de plus hardcore. Hein. Qu'est-ce qui fait un bruit pareil? Quel bruit? Bon, attention, après ça peut encore décoller, hein. Y a rien qui dépasse ici. Je rigole pas, c'est vraiment pas le moment de déconner. Je suis à bout là. En fait, j'ai l'impression que lui, il voit des trucs que elle ne voit pas, quoi. C'est ça le délire. C'est pas le délire. Non, mais ça va pas. Pourquoi tu l'as touché? C'est énorme, putain. Ouais, je te jure. Va être copé, t'es un boulard. Allez, bah écoute, je te suis. Hein. On continue. Ouais, bah ça, ça a pas l'air franchement sécure. Avec une masse. Notre ami Laura. On retrouve Fliss. Où tu m'emmènes comme ça? Et pourquoi je te le dirais? Allez, on avance. Dis-moi où on va, au moins. Dans l'atelier. C'est mystérieux, tout ça. Toi, y a un truc à faire, là? Ouh, y a un truc à ramasser par terre. Hé hey ah. Arrête! Touche pas à ça. J'ai loupé mon coup. Dommage. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne fais qu'obéir à ses ordres, c'est ça? Réponds-moi pas surtout. Bon, qu'est-ce qu'on va devenir? Stop. J'ai rien fait, moi. Il a entendu quelque chose. C'est vrai que dans le générique, on avait vu des monstres quand même, hein. Bien connus du style horreur. Et pour l'instant, et dans l'intro aussi. Mais là, il n'y a pas grand-chose. Je suis sûr que ça va arriver à un moment d'un coup. Ça va nous faire flipper. Par contre, c'est vrai que bon, il y a quand même une ambiance assez angoissante. Allez, c'est bon! Montre-toi! Merde! Le mec qui stresse de fou. Il est maudit, ce bateau de merde! Sur ce point, on est assez d'accord. Alors. Un chapeau. Moi ça. NG Medan.
D'accord. Trajectoire actualisée. C'était quoi ce bruit ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu la fermes, je veux plus t'entendre. Toujours des petits bruits. Oh, saleté. Tout ça pour ça. Ils veulent nous faire peur pour rien, en fait. S'il te plaît, t'es pas obligé de faire ça. Putain ! Oh mon Dieu. Ce type, il est sûrement encore ici avec nous. Je veux dire, tu meurs sur un bateau, ton âme reste sur le bateau. Allez. Tu sais pas de quoi tu parles. Alors, voyons voir. J'ai rien à faire. Où sont passés tous tes amis, dis-moi? Je sais pas du tout ce que c'est que cette merde. Mais faut qu'on avance et qu'on trouve Olson. Vite! Secret trouvé. Cadavre hurlant. Olson! Merde. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ce couloir de la mort. Il y a une main. C'était quoi? Je l'ai vu. C'était quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose. Attends, il y a un nouveau cadre. Prémonition. Mais oh! Salaud, il m'empêche de voir. C'est quoi ce bordel? Wow, c'est quoi l'embrouille? Je le crois pas. Le mec, il a paniqué. Là, ça commence à être un petit peu la pression. Ah, voilà, je voulais voir le cadre. S'il te plaît. Comment vais-je mourir? C'est tout? C'est pas grand chose, ça. Étrange tout ça. Alors attends, fallait revenir en arrière, non? Je sais pas du tout. Et si on allait voir par là-bas? Évidemment, ça va être fermé. Ben oui, là, bien sûr. Ah, attends, on peut peut-être forcer. Oui, monsieur. Enfin, oui, madame. Yo. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a par ici? Fils. Putain. Ah bah voilà. Moi qui voulais arrêter l'épisode juste avant, ça aurait été dommage. N'est-ce pas? Oh. Attends, c'est là où on était dans l'intro. Eh oui, il me semble bien. Ça va pas être bon signe. Et la lumière s'éteint. Alors voilà, on me demandait des vidéos plus longues. Je réponds à votre demande. Nous sommes dans le garage. Qu'est-ce qu'on a? Tour de garde. Ah d'accord. Horaire, officier, Miller, Davis, Perez. On reconnaît quelques noms, hein. Entrée interdite dans la zone surveillée, ne quittez jamais votre poste avant l'arrivée du garde suivant. Ok. Eh ben écoutez, amis, vous savez quoi?
je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et qu'on reprendra la prochaine fois. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre en tout cas un petit pouce bleu. J'ai vu un fantôme. J'ai vu un fantôme. Je parlais du pouce bleu, pas d'un fantôme. Déconne pas. J'espère en tout cas, les amis, que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois dans le noir. Et ça commence à faire un petit peu flipper. Merci à tous, portez-vous bien. Toute proportion gardée, parce qu'évidemment, on est loin d'un Resident Evil. Ou d'un Until Dawn, hein. Jusqu'à présent, c'est vrai que la peur reste limitée. Bref, merci à tous. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas oublier la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.